Hi everybody! You're welcome to your favorite YouTube channel Esebikula TV. For now, we take you to the city of Benguis to discover Camtel commercial branch of the locality. Stay connected, ladies and gentlemen. Bonjour, je suis mademoiselle Ariel Fanny-Laure et en studio, je suis le chef d'essai de Benguis. Alors, bienvenue à Benguis. Tout d'abord, je tiens à saluer madame le directeur général de Camtel. Je tiens à saluer monsieur le directeur régional, madame de PSC et tous mes autres chefs hiérarchiques si j'ai oublié. Un bonjour particulier à tous mes collègues et à tous mes clients de Benguis. Alors, nous sommes situés à Benguis, pas très loin de la place des fêtes, juste en face de la sous-préfecture. Alors, notre agence, déjà, elle est très belle. Nous avons l'une des meilleures structures, en fait, l'un des meilleurs et beaux bâtiments de la ville, sans toutefois pas me vanter. Donc, notre agence est visible, mais au niveau de la situation, mais pas vraiment à l'entrée de la ville. En fait, nous manquons de visibilité dans toute la ville. Mais j'aimerais bien lancer un appel à M. Perret et Rachid si nous pouvons avoir un soutien par rapport à ça, à nous appuyant avec certains gadgets, par exemple des parasols, des tables, des banderoles, surtout que le premier mai approche déjà. Donc il faut que nous sachions déjà comment faire pour nous faire de l'avantage dans la ville. Camtel est le meilleur réseau en internet ici à Benguis. Et la ville est en train de grandir. Benguis, c'est une ville en devenir. Il y a des chantiers qui poussent, il y a la route qui vient déjà. Donc, nous avons intérêt à vraiment bien nous implanter pour gagner toute la clientèle en fait. Parce que sans toutefois me vanter une fois de plus, les autres opérateurs tâtonnent. Donc, si nous avons une connexion stable, si nous avons la visibilité, si nous avons tout ce qu'il nous faut pour que nous avançons, vraiment Camtel sera le top 1. Déjà que nous sommes le top 1, mais on sera vraiment au-delà des autres. La visibilité n'est pas le seul problème que je peux évoquer. Déjà à Benguis, comme nous le savons tous, Benguis dépend déjà au niveau du réseau de Benguis, dépend des flammes. Lorsque les flammes ont un souci, Benguis est directement impacté. Ça nous arrive parfois de faire un ou deux jours sans réseau et du coup les clients sont tellement grincheux. Lorsque le client a fait sa connexion de 5000, pour lui c'est tellement beaucoup qu'il ne veut pas avoir de soucis. Donc parfois c'est souvent difficile de gérer ça avec les clients qui ne sont pas trop compréhensifs, mais on se bat. Et pour faire le chiffre d'affaires également, ce n'est pas aussi très, 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 très évident parce que, comme je vous ai dit, les clients sont grincheux. Lorsque peut-être un client a fait sa connexion de 10 000 par exemple et qu'il fait 2 à 3 jours sans réseau, il va tout de suite me dire « Non, moi, je ne vais plus prendre la connexion quand elle est. » Donc, il va falloir qu'on aille convaincre les clients, qu'on aille supplier, qu'on aille dire « Vraiment, s'il vous plaît, ne laissez pas tomber afin qu'ils ne reviennent pas le mois prochain. » Et ça permet que beaucoup de clients nous ont quittés, sont allés vers les réseaux, vers d'autres réseaux. Et aussi, nous avons un problème de matériel. Vous voyez, moi, je n'ai pas de machine. Mon collaborateur non plus n'a pas de machine. Mon laptop que j'ai acheté est dans un petit état. Il faut que je débourse une somme de mon argent pour l'arranger. Donc, pour travailler, pour l'identifier, c'est difficile pour les ventes de puces. Parce que même lorsque nous appelons les gens qui font les ventes de puces, la réaction n'est pas toujours prompte. Par contre, le client, lui, va être satisfait normalement. Donc, on aura besoin, on n'a pas de machine. On se bat quand même, on se bat à avoir des clients à gauche, à droite, pour que nous puissions faire le chiffre d'affaires. Parce que c'est grâce à ça que nous avons aussi notre salaire. Donc, on ne va pas croiser les bras. On se bat et on voudrait juste un appui de la hiérarchie et une compréhension également de nos autres collègues qui, bien sûr, sont dans leur droit de vouloir les rapports à temps.
ce n'est pas évident, vous voyez, je n'ai pas de machine, donc s'il faut que je fasse un rapport, il faut que je me déplace pour ça, mes mains et tout, et du coup aussi, ce n'est pas évident, je me déplace avec mes poches, la route n'est pas bonne, nous sommes en saison pluvieuse, ce n'est vraiment pas évident. Donc, soyez indulgents en ce qui concerne le Miss, on fait des efforts, mais en espérant que tout ira bien, nous espérons que dans 3 ou 2 ans, la qualité soit vraiment la crème de la crème dans la ville. Ça, et c'est le deuxième problème dont j'ai déjà évoqué avec la hiérarchie. J'avais fait une note de service où j'avais fait comprendre à la hiérarchie que Express Union, où on doit verser des fonds, est fermé depuis pratiquement un an et demi. Donc, on souffre de cette situation-là parce que on ne sait pas, il faut à tout prix qu'on se dépense tout le temps pour aller à Saint-Denis faire des versements d'argent de campagne. C'est pour cela que lorsqu'on fait les tableaux de concordance, on va constater que si on a vendu le premier, peut-être les versements ont été faits le 15, le 17 ou le 16, ce n'est vraiment pas de notre faute. Et comme on a un petit coffre fort ici, ce qu'on fait, c'est quoi? Lorsqu'on a vendu, on garde dans le coffre fort et en semaine, à la fin de semaine, quand il m'arrive de monter sur 100 000, je m'avais fait le versement là-bas. Donc c'est vraiment ce que c'est la situation par rapport à ce qui concerne les fonds et voilà les versements des recettes. Déjà, nous sommes vraiment commercialement peu visibles, ça c'est très 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 vrai. Déjà parce que à l'entrée de la ville, il n'y a rien qui montre vraiment qui a Campbell. Parce que hier encore, je posais avec quelqu'un qui m'a fait comprendre qu'il y a madame dont je vais faire le nom parce que c'est la femme d'une grande personnalité qui voudrait faire arrêter. Il y a une réunion du CERAC ici à Alger et que la femme lui a fait comprendre qu'il n'y avait pas de réseau Campbell à Dundee, chose qui est faux. En fait, qu'elle avait besoin de qu'elle ne sait pas comment elle va s'en sortir parce qu'elle va devoir recevoir les dames du CERAC et que voilà, elle tu sais, il n'y a pas de réseau. Chose qui est faux parce qu'il y a le réseau Campbell BDB à Bendis, à part peut-être le nombre de jours qu'on fait. Donc justement, peut-être parce qu'il y a un manque de communication, un manque de visibilité et vraiment, sauf si je vous dis vraiment, c'est le manque de visibilité qui fait la chose. Et vraiment, comme j'ai dit, j'aimerais vraiment, je lance un cri de cœur à ma hiérarchie de pouvoir me soutenir. Et voilà, comme j'ai dit, voilà le premier mai qui arrive. Nous ne sommes que deux. Nous ne sommes que deux, mon collaborateur et moi. S'il faut que Campbell défile, il faudrait quand même qu'on sache que c'est Campbell. Campbell, ce n'est pas quand même n'importe quelle entreprise. Hein. Sans vous mentir, lorsque je cause avec les autres collaborateurs, quand on dit Campbell, on dit non, Campbell, vous êtes une grande entreprise, vous avez de gros salaires et tout. On doit vraiment représenter Campbell. Donc, j'aimerais vraiment que si on peut avoir un petit appui, un gadget pour que je puisse mobiliser quelques personnes là qui pourront faire gonfler les rangs de Campbell et comme ça, quand on passe, pour qu'on puisse voir vraiment que Campbell, ce n'est pas fini. Ce n'est pas facile du tout, ce n'est pas facile du tout, ce n'est pas facile du tout. Mais comme mon père a souvent dit, lorsque vous allez quelque part, faites-en un paradis. Je me suis dit, bon voilà, je suis venue ici. Beaucoup de gens veulent même le travail hein, et tout. Donc du coup, même si on m'envoie où, je vais essayer de me battre pour aménager, pour que ce soit un peu petit paradis pour moi, afin de pouvoir vivre à l'aise. C'est pas évident, c'est vraiment pas facile. Déjà, vous-même, vous avez vu, la route est catastrophique. La ville même, il n'y a pas de développement, rien. Mais bon, c'est le travail, c'est comme tel qu'il m'a envoyé. J'ai signé, lui, et approuvé partout où besoin sera. Donc, je me dois vraiment de faire mon travail. Et pour être heureuse et épanouie, j'ai dû m'adapter et lui faire un petit paradis pour moi. Bon, je vous remercie. Merci monsieur, ça fait plaisir que vous venez nous rendre visite et un grand merci encore à toutes nos familles.